Élimination confirmée. Nous n'avons absolument pas le droit à l'erreur. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Reaper06. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay sur Black Ops 2. Donc nous sommes sur la map Red. Je joue à la M8A1, camouflage or, comme vous pouvez le voir, viseur réflexe. Je crois que c'est chargeur grande cap ou chargeur rapide, je sais plus exactement. Donc c'est en mode hardcore, bien sûr. Donc comme vous avez pu le voir au tout début, juste avant que le gameplay commence, j'ai été traité de campeur pendant ce gameplay. Alors je voulais vous présenter ce gameplay pour vous montrer comment moi je campe. Alors vous allez voir, c'est je sais pas d'où il me sort que je campe. Enfin bon, après ça c'est le discours d'un peu de rageux, hein. Vous allez voir que il y a deux petits endroits où je vais temporiser. Ok, je l'avoue, j'ai pas bougé. Élimination confirmée. Je suis pas resté non plus toute la partie, hein. J'ai dû rester quelques temps parce qu'une personne allait au même endroit et se camper au même endroit. Donc vous allez voir, enfin vous verrez au cours du gameplay. Moi je vous laisse présenter ce gameplay. Après au niveau des atouts, alors je devais jouer, alors, je sais plus trop avec quoi, je crois que j'avais les grenades, je devais avoir deux atouts, donc je devais avoir celui anti-radar et anti-hélicoptère, je sais plus exactement les noms. En second, on a tous deux, je sais plus du tout. Franchement là c'est un gameplay qui date d'il y a un petit moment quand même, un petit mois je pense. Et franchement je sais plus trop ce que j'utilisais. En tout cas, c'est un bon gameplay, d'ailleurs je vais faire quand même une bonne partie. Alors, comme vous pouvez le voir, les tirs sont décalés, donc c'est parce que tout simplement le gameplay vient du mode studio. Tout simplement. Donc c'est normal que vous avez un décalage, vous avez l'impression que je tire à côté, alors que dans la partie en réel, bah, je tapais sur le mec. Hein. Drone en approche. Donc bah après, je vais pas trop vous présenter le gameplay, hein. Vous pouvez voir comment il est. Vous allez voir ce que je fais au fur et à mesure. Hein. Je vais pas vous expliquer mes déplacements, hein, parce que bon, moi je suis un peu... je suis pas le gars qui va rusher en plein milieu, quitte à s'en prendre. Là, vous avez vu, il y a un peu de chance. Il y a toujours le petit spot où vous tirez à travers le mur, et en général, il y a toujours quelqu'un qui passe à peu près à ce niveau-là. Puis comme vous savez, en hardcore, c'est 2-3 balles grand max. Hein, et après, vraiment, surtout avec la M8, hein, je vous la conseille d'ailleurs fortement, parce que vous mettez... une petite rafale, c'est bon, vous couchez le mec. Vous voyez là, il m'en a mis une et direct, hein, il m'a mis à ta gueule. Hein. C'était cash. Donc, je sais plus trop ce que je faisais. Donc, ouais, j'ai peut-être parce que j'ai envoyé mon missile Hellstorm. Vous allez pouvoir que je fais drone brouilleur et Hellstorm. Missile Hellstorm en approche. J'ai des kills, c'est pas trop compliqué parce qu'en hardcore, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. D'ailleurs, c'est le but du hardcore. C'est ça. Donc, moi j'aimais bien jouer parce que bon. Ça me permet de faire des petites parties sympas parce que j'essaye de monter les armes en camouflage or, donc c'est des headshots, et moi je suis pas vraiment un très très grand spécialiste des headshots, hein. Moi je dis que je vois un mec, je tire voilà quoi. En général je tire dans la poitrine et puis c'est fini quoi. Mais c'est vrai que les headshots j'ai beaucoup de mal à le faire, qu'en hardcore ça va beaucoup plus vite, hein. Il suffit d'avoir un peu plus de chance et puis de viser un poil plus haut, et puis en général la tête elle passe bien selon les connexions. Donc c'est ce qui m'a permis de monter mes armes, enfin les quelques armes que j'ai en or. Même s'il y en a que j'arrive vraiment pas à faire, genre là je dois faire les sanguinaires avec les snipers, et franchement c'est une misère pour moi, j'arrive pas du tout à les faire. Il doit m'en rester une ou deux à faire avec deux snipers, et laisse tomber, c'est impossible, enfin c'est pas impossible. C'est possible justement. Élimination confirmée. Moi sniper c'est vraiment pas mon style de jeu. Confirmée. Je suis pas un grand. J'aime bien jouer au sniper, y a aucun problème. Mais je suis pas non plus. Là vous pouvez voir un gros lag de connexion, c'est vraiment énervant, donc je vais me faire tuer d'ailleurs pendant ce lag de connexion. Alors c'est merci, j'ai envie de dire merci à Orange pour une connexion comme ça. Mais bon. Enfin, ça m'arrive pas souvent, donc ça va heureusement. Élimination refusée. Oui là, à peine une petite rafale, vous mettez 2-3 balles un hein, maximum. Et puis la M8, c'est des rafales de 3 balles. Même pas besoin de mettre le sélecteur confirmée. De tir. Hein. C'est cash, c'est une arme que j'adore beaucoup utiliser. Alors vous voyez, le mec m'a traité de campeur. Alors vous avez vu qu'il a pris beaucoup de balles comme aussi. Bon, certes il y avait un mur, mais il a pris beaucoup de balles. Bon, je vais quand même aller le rusher. Voilà. Donc, le mec me dit au début de la partie que je campais beaucoup en compète. Donc sachant que je suis que de la compète amateur, donc c'est à dire que c'est des tournois entre des équipes qui sont pas du tout dans la compétition des certos ni rien, hein. On joue avec les mêmes règles,
Mais on n'est pas du tout en compète. Hein. Puis, bah, je compte pas m'y mettre non plus dans la compétition semi-pro ou pro. Attention, parce que c'est le niveau, il est clairement beaucoup plus élevé. Là. Vous allez voir un mec qui me regarde bizarrement. C'est en train d'envoyer un texto en fait à ce moment-là. Je répondais à un petit texto, donc je ne campais pas, j'ai envoyé un texto. Enfin, donc pour revenir à la compétition, donc je suis pas. Élimination refusée. J'estime pas avoir le niveau pour jouer en compétition, pas du tout. Quand je vois les gros joueurs comme Wartek en e-sniping, ou Gotaga, ou. Élimination refusée. AAA, quand on les voit jouer, mais il n'y a pas que les AAA. L'ennemi a détruit votre drone. Tellement les achievers et tout ça, il y a tellement d'équipes. Quand on les voit jouer, moi je regarde beaucoup les streams, j'ai beaucoup appris grâce à eux. D'ailleurs, je vous conseille de suivre quelques streams en suivant Desserto France. Car des fois, ils font des streams et vous voyez à peu près les déplacements que les joueurs ils ont. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé surtout en regardant Gotaga, un gros youtubeur que je pense que vous devez connaître si vous jouez à Call of, vous devez le connaître. C'est vraiment. Pour moi, c'était le jeu. C'est un des meilleurs français, tout simplement. Ou si ce n'est le meilleur. Quand on voit ses déplacements, il m'a beaucoup appris. Et il suffisait de faire. D'apprendre. Regardez sur certaines cartes comment il joue, ses déplacements. Donc, lui, il fait tellement de choses, hein, genre les nucléaires et compagnie, les MOAB et les bombes nucléaires sur MW2. Moi, je vous avoue que même la bombe nucléaire sur MW2, qui n'est pas compliquée à faire non plus, drone de chasse je l'ai pas aussi. Hein. Bon, j'ai jamais trop tenté de la faire non plus. La MOAB, je me suis fait tuer à 4-5 frags de la MOAB. Donc, ça m'a fait bien rager, donc je vous l'estime. Et le nucléaire, la bombe, le titre nucléaire, je sais que c'est pas pour moi ces choses-là. C'est que je suis pas. Si je fais une série, déjà, si j'arrive à aller jusqu'au. Je sais pas, kill streak, enfin c'est un score streak maintenant dans Black Ops 2. Élimination confirmée. Jusqu'à genre l'hélico. Vous avez vu le petit campeur là-haut? C'est pour ça que je vous ai dit que à un moment je vais camper parce que je vais aller le chercher. Ou la chercher, je pense que c'est apparemment c'est Aurore. Je pense que c'est une fille hein, quand même. Élimination refusée. Donc je vais aller la chercher, donc je vais voir, ça va m'arriver 2-3 fois de mourir. Élimination confirmée. Donc c'est pour ça que je vais temporiser. J'aime pas le terme camper, c'est plus temporisé, parce que c'est moi, je reste pas non plus toute la partie au même endroit et puis j'attends que ça passe quoi. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de. J'entends un ennemi qui me tire dessus, paf, je me retourne, je me couche, j'attends qu'il arrive. C'est juste la tempo. Vous n'êtes pas en train de camper non plus comme un gros porc quoi. Donc c'est ce qui est malheureux dans la communauté française, c'est que ça. Dès que vous faites tuer, même si vous ne campez pas, vous êtes tout le temps en train de bouger à droite, à gauche, vous faites traiter de campeur. Vous savez pas pourquoi. Vous dites rien, vous bougez, vous courez à droite à gauche, même quitte à des fois vous êtes, je sais pas, vous êtes une minute, deux minutes, des fois sans trouver un mec, ça va déjà arriver, vous courez faire trois fois le tour de la map et vous croisez personne. Donc ça m'est déjà arrivé. Mais en aucun cas je ne suis le mec qui va camper. Bon, des fois quand on est avec des potes, ouais, on a pas de bol, hein, désolé à mon coéquipier qui passait devant. Mais ça m'est déjà arrivé de jouer avec des amis quand on était en plein délire, dit tiens vas-y on se met tous dans la baraque et puis voilà, on fait les cons. Élimination confirmée. Arrivé, ça, oui. Mais quand je me fais une petite partie détente, vous allez voir le petit couteau fail. Je suis pas un spécialiste de couteau. Alors, soit ma connexion, soit je suis nul au couteau, ou alors c'est Black Ops 2. C'est peut-être le jeu aussi, parce que dans MW3 ça passait bien. Drone en attente. Enfin, bon, moi je suis pas le gars qui va vous attendre dans le coin, et puis voilà quoi. Bon, je déteste ça quand on me fait le coup. Surtout hein, en match à mort, ça m'arrive beaucoup. Vous passez, vous courez, vous demandez rien à personne, vous êtes une petite série de killstreak, boum, il y a un petit campeur qui passe, vous voyez, la même personne au même endroit. Vous avez pu le voir. Bon, c'est vraiment. Alors vous allez voir, je vais aller le chercher. Ne lâchez pas. Vous passez, je pense que tout le monde connaît ce spot, hein, vous passez à l'arrière du bâtiment. Donc là j'ai vu, j'ai entendu le couteau électrique, je me suis dit, il y a quelqu'un. Hop, une petite grenade qui fait du bien. Hop, au revoir, merci. Parce que bon. Là, vous allez voir, là oui, ok, je vais temporiser, je sais qu'elle va revenir. Je me dis, hop, on va checker derrière vite fait, je vois des alliés, donc bon, hop. Je vais m'installer, et vous allez voir que ça va être payant. Je vais pas attendre très longtemps, personne va revenir, on va mettre une bêtise. Vous voyez, la même personne qui revient au même endroit. Donc bon, c'est dommage hein, d'avoir des... Après bon, c'est son style de jeu, hein. Moi je blâme personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment énervant quoi, force. Attention, drone vous prenez une frag, deux frags, trois frags, quatre frags par la même personne qui a juste changé de coin, c'est énervant. Franchement, c'est énervant. Surtout quand vous êtes en série de victimes, vous dites tiens, vous êtes à
une frag, deux maxi de... L'ennemi a détruit votre drone. De, je sais pas, un petit score streak sympa. Et vous faites buter comme ça. Bon, bah. Enfin voilà, ce gameplay arrive à la fin. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits j'aime. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Reaper. Allez, à ciao les gamers.